T'achètes quoi avec 2,3 millions d'euros, 115 Peugeot 208, 25 000 paires de Air Force One? Eh bien en France, quelqu'un a préféré acheter un dessin de Tintin, et pas n'importe lequel. La personne a acheté le dessin original de la couverture de l'un des albums les plus vendus de Tintin, Tintin en Amérique. Il vient d'être vendu aux enchères chez Artcurial pour un montant de plus de 2 300 000 euros, frais inclus. Le dessin a été réalisé en 1942 par le dessinateur Hergé. Il a été fait à l'encre de Chine et 80 ans plus tard, le dessin est toujours publié en couverture de l'album vendu en librairie. Jusqu'à présent, le record du monde pour une œuvre originale de bande dessinée reste le dessin de couverture du Lotus Bleu, un autre album de Tintin. Il a été vendu pour plus de 3 millions d'euros. Alors à toi de voir, est-ce que tu préfères crouler sous les chaussures ou accrocher un dessin sur ton mur ?